On va pas te parler tout de suite. De toute façon, tu vas mourir, je crois. Ou tu vas pas mourir, je ne sais pas. Je ne sais pas, je te laisserai le choix de te tuer ou de ne pas te tuer. En fait, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien faire un tour de la salle avant de... Il y en a des peintures, dis donc. Ok. Ah. Je veux des réponses, Bouchard. Pourquoi vouliez-vous me faire tuer à Paris? Un dommage collatéral. Une poussière qu'il fallait enlever. Qui a donné l'ordre? Un fou appelé Eckhart. Il me menait la vie dure dans le boulot. Il menaçait ma famille. Tuait mes hommes. Vous en avez eu un aperçu à l'église. Un sacré furieux, hein? Le pire. Eckhart est le monstrum. Vous êtes sûr? Que faisiez-vous pour lui exactement? Je devais réceptionner une peinture qui se trouvait au Louvre et la rapporter au Strahov, ici, à Prague. Ma peinture. C'était difficile de la sortir du Louvre, Bouchard. On y a tous les deux perdus, on dirait. Et pourquoi à Prague? Eckhart est sous la protection d'un groupe basé à Prague, la Coterie. Ils sont presque aussi dangereux que lui, et au moins aussi tordus. On m'a dit que la mafia régnait sur Prague. En fait, il semble que la Coterie se sert de la mafia pour dissimuler ses véritables activités. Mais ils sont bien plus dangereux et puissants. Assez dangereux pour utiliser la mafia comme couverture. Impressionnant. Tous ceux qui s'intéressent de trop près à la Coterie disparaissent. Comme mon ami Von Croy. Quel était son rôle dans tout ça? Il a été engagé pour trouver l'une des 5 peintures d'Obscura, celle qui était au Louvre. Mais il a trop fouillé. Il a pris contact avec Vassilei, ici, à Prague, pour échanger des renseignements. J'ai trouvé des fax et 4 gravures d'Obscura qu'il avait envoyées à Von Croy. Vassilei possédait 5 gravures, mais il en garda une. Qu'ont-elles de spécial, ces gravures? Chaque gravure contient une carte chiffrée de l'emplacement précis d'une peinture. Donc, c'est une gravure qui a mis Von Croy sur la piste du Louvre. Oui, mais votre ami n'était pas assez prudent. La Coterie intercepta les fax. Ensuite, Eckhart n'avait plus besoin de lui. Une autre petite main a effacé, comme Vassilei. Au niveau du doublage, c'est pas très très bon. Assassiné comme Vassilei, pourquoi Eckhart a dit tu es pas effacé? Assassiné comme Vassilei. Bon, pourquoi Eckhart fait-il ça avec les corps? Et que compte-t-il faire des peintures? J'ignore les détails, mais ça a à voir avec le retour à la vie du cubiculum néphili. Le cubiculum néphili, le dormeur, dernier de la race éteinte des néphilim. Vous connaissez le dormeur? Eckhart est devenu fou. Avec le dormeur, il espère pouvoir ramener les néphilim disparus à la vie. On ne peut pas se tromper sur ses ambitions. Ainsi, la 5e gravure que Vassilei conservait mène à la dernière peinture d'Obscura. Je vais tout passer au peigne fin. Ça doit être bien caché. Vassilei était très prudent. Il ne l'était pas assez, visiblement. La carte de la dernière gravure indique l'emplacement de la galerie des trophées. C'est l'un des tout derniers refuges secrets du Lux Veritatis. Et Eckhart veut absolument la trouver. Une galerie du Lux Veritatis? Ils s'emparèrent des 5 peintures d'Obscura juste avant l'an 1500 et les cachèrent. La dernière est plus probablement dans la galerie. Et savez-vous où peut être la galerie? Juste qu'elle est sous le Strahov, quelque part. Et la peinture y est certainement? Eckhart le pense. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a conduit la Coterie à s'y installer. Le temps presse. Il faut que je fouille par ici. Et vous allez me laisser comme ça? Oui, reposez-vous. Vous vous êtes beaucoup dépensé. Je reviens avec la 5e peinture. C'est bon, voilà. Donc du coup, je redis... Merci, Captain Obvious. Bon, bonjour, je suis Bête et je m'appelle Lara. Exactement. Nana, ma référence à moi. Sérieux, DNA, je sais d'où tu viens. Ah, t'as trop maté à télé quand t'étais petit. C'est vrai, j'ai beaucoup regardé la télé. Tu triches en faisant des sauvegardes. Ah non, ah non. C'était dans le jeu, c'est autorisé. On est d'accord, coucou, c'est du cheat, lol. Le regard de Lara, ma mamia, par-dessus les lunettes noires. Tire-lui dessus.
Oui, j'aime Lara. Combien au pari que tu vas sauvegarder? Elle parle moins à la Lara New Gen, c'est vrai. Mais c'est que cette Lara qui parle plus. Hein. Les autres Lara avant, elles parlaient pas trop. Combien de. On parie que tu vas sauvegarder? Bon, bah ça c'est évident. La baffe parce qu'elle a la bouche pleine. Le cuniculant des filles. Putain, attention, vous avez un humour. Vous avez un humour plus développé que le mien, les gars. Voilà. Allez. Je sauvegarde, voilà, c'est fait. La sauvegarde, c'est la vie, excusez-moi, hein, mais bon. Ok, il y a un invoice. Non, j'ai cru qu'il y avait écrit Nvidia, je me suis dit d'un coup. Le couloir, bon, ça c'est fait. Il fouillait des trucs là. Hein. Donc, ah, et on a un nouvel abonné. Eh ben oui, Romain 3014, merci de t'abonner. Merci beaucoup à toi. Et j'espère que tu apprécieras les prochains streams. Voilà. Merci beaucoup. Et je regarde un save for life. Ok. Alors au niveau des trucs. Donc là on avait vu, il n'y avait rien. Et oui, donc je vous disais, admirez-le assis sur sa petite chaise, accroché à son radiateur. Parce que peut-être vous ne le reverrez jamais. On ne sait pas. Ce petit pervers salopard. Peut-être allons-nous le tuer. Je ne peux pas. Bon, mais peut-être il va mourir. Je ne sais pas. Bon. Voilà, on sort. Ah! Regardez-moi comment c'est beau chez Vasily. Ça va être un peu long là, je pense, en fait, compte. Sauvegarde égale sauve. Limite, on pourrait créer un com automatique sauvegarden. Hein. Ah oui. Vasilei cache de vrais trésors ici. Oui, non seulement il cache des vrais trésors, mais en plus tu vas te régaler, ma petite, parce qu'il va falloir résoudre une énigme. Minuit. Sans blague. Sans blague. Les rideaux qui sont fermés. Voilà, donc là c'est l'entrée qui menait à l'autre. Ok, donc les peintures, machin. Donc là, voilà, il va falloir résoudre une énigme magnifique. Et vous allez voir, bien entendu, que ce petit Vassili n'est pas la moitié d'un connard. N'est pas la moitié d'un mec. N'est pas la moitié d'un con, plutôt. Enfin, je ne sais pas, mais il n'est pas la moitié, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, Lara, tu peux bien bouger, s'il te plaît. Regarde-moi cette grâce. Vous allez voir, après, on va passer à Rise of the Tomb Raider, on va voir la différence, mais d'une manière extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se baigner dans la piscine là. Le bruit de baignade, j'entends. Pas des méchants ici? Ah non, mais il y a des sauts magnifiques à faire aussi. Oh purée. Bon, on finit ce niveau. Ensuite, on passe au troisième jeu. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez toujours mordre de déshydratation. N'oubliez pas que vous pouvez toujours voter pour The Third Game. Of the stream of the week. Je me sens plus forte. Ah, il y avait une porte qui ne s'ouvrait pas tout à l'heure. Ben on va aller la chercher, tiens. I am something more forte. Allez, Lara. Splut. Voilà, merci. Hop. On va aller là. Merde. Non, tu ne peux pas sortir. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il faut que j'en monte l'escalier. Lara marche avec des briques dans les poches, un petit peu, oui. D'ailleurs, elle peut sprinter, mais c'est pas pratique, je trouve, honnêtement. Je sprint. Ah, mais non, je ne sprint pas, merde. Elle m'a montré son cul. Excusez-moi, mais bon. C'était pas le but. Est-ce que tu veux bien monter sur cet échafaud, Lara? Monte sur cet échafaud aussi, voilà. Que l'on puisse observer la scène. Lucie, non, je commence à la chanter n'importe quoi. Voilà, donc du coup, saut vers l'inconnu. Une chaîne à tirer. J'ai plus, il fallait attirer un nombre de fois particulier, je crois. Ah, deux fois, trois. Et... c'est tout.
Et là, faut le tirer 3 fois, je crois. 1. 2. Lara peut faire la... Intéressante lorsqu'il nous demande de courir. Merci pour cette remarque. Pertinente, hein. Voilà, donc il va falloir mettre, bien entendu, l'horloge à 3. Ne tombe pas là. Ne... Ah, j'ai trop de chansons dans la tête. Je dois pas la laisser tomber, elle est si fragile. Cette Lara. Là, si vous avez compris la référence. Bon, elle est facile, hein. Elle est pourrie, mais bon. Paralysée. Allez, va comme ça. J'essaie de me souvenir comment ça fonctionne cette histoire parce que je me souviens plus du tout. Allez, voilà. La bibliothèque. Ok. Oui, on veut pas pousser la bibliothèque. Tu peux récupérer un truc dans la bibliothèque, attends. C'était ça, hein. Non, tu peux juste la pousser. Bon, c'est pas très très grave. Pour une fois que le héros est une fille, on se lâche. Exactement, c'est ça. Magnifique Lara, hein, n'oubliez pas. Hein. Lara, hein, c'est Lara quoi. Hein. Allez. Il est 3 h. Là, on progresse. Ah, ah, on ne savait pas du tout que c'était là. Il y avait Marine Malice. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Lâche pas trop fort, Romain. Oui, c'est pas trop non plus. Faut pas oublier qu'après le stream sera mis sur en ligne sur YouTube. Donc attention, pas trop, hein. On se calme, hein, quand même, hein. Bon. La sauvegarde a été faite. Si on trouve des méchants dans cette salle, c'est pas logique. Et là, voilà. Et là, on se retrouve dans la même salle. Pas du tout, mais ça ressemble à la salle du... Oh, j'ai peur. Allez, allez apprendre cette phrase en latin. On se retrouve dans le même type de salle qu'il y avait le musée dans le manoir Tomb Raider, dans le premier, deuxième, troisième Tomb Raider. Quatrième, je sais pas. Ce Lara est sur quoi par défaut, PS1 ou PS2? Je crois qu'il était sur PS2. À mon souvenir. Je crois. Et dans Dora, on se lâche. Play 2, oui, ça a mal vieilli. Dans Dora l'exploratrice, c'est dégueulasse. Exactement. Sac à dos, sac à dos. Des informations sur les éclats périaptes. Non, c'est pas vrai. Il s'agirait de 3 armes de lumière. 3 éclats de cristal en forme de pointe. Ah, apparemment, personne ne sait comment les utiliser. Donc ça, on en a récupéré un tout à l'heure. Si vous vous souvenez bien. Le dormeur. Cubiculum néphili. Le dormeur ou cubiculum néphili, un sarcophage de pierre, aurait contenu les derniers restes de la race éteinte des néphilim, enterrés quelque part en Turquie. En Turquie. Espérons que la tombe n'a pas été détruite. Et là, il n'y a rien. Rien du tout. Une colonne contenant des informations sur rien du tout. Rien du tout est très courant dans le monde. Petit verre, Lara? Allez! Prends un jack, non? Et entre les jambes. voilà. Bon, j'allais faire une autre blague pourrie de ce type-là, donc je vais éviter de te dire de pas le faire, mais bon. Faut éviter quand même. C'est pas bien. Il y a un code ici. Un ordinateur avec un écran transparent, mais c'est tellement pratique. Regardez-moi cet écran transparent. Je peux regarder à travers l'écran et dans l'écran. Génial! La qualité! En fait, c'est qu'ils voulaient faire le reflet de l'écran comme ici. Là, ils ont fait le reflet de l'écran. Ah bon, on voit pas la RAM, mais ils ont essayé de faire le reflet d'écran. Par contre, là, ils ont fait transparence. Ils sont pas fait chier. Allez, va. Transparence.
Qu'est-ce que je lag? Il était aussi dispo sur Mac, oui, il était aussi dispo. Re et le haricot magique. Nom de Zeus Marty. Oula, je sautais le truc. Nom de Zeus Marty. Oui. Désolé pour le lag, hein. Malheureusement, j'ai pas la meilleure connexion du monde. Donc, du coup, c'est pour ça que ça peut laguer. Allez. On prend le papier. Et on va analyser. Écrit 31597. 31597. C'est écrit en tout petit, mais ça m'évitera d'ouvrir le 580. Bah oui, forcément, en forme de plus. Voilà. Here you are, Mac. Je suis d'accord. Bon, tu la prends ou tu la prends pas? C'est bon, tu l'as prise. Et ben voilà. Une petite sauvegarde. Au lieu du crime du monstrum. Et on va faire aussi une petite analyse pour voir. Bon, c'était bien ça le code, mais je suppose. Voilà, ça c'est un éclat de cristal. Donc ça c'est ce qu'on a lu. Le passe de sécurité de Carvier. 14529. Tac 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 tac. Le marteau qui nous sert. Le fax entier. Mademoiselle Carvier, veuillez consulter le site internet shadowhistories.pr. Essayez d'aller sur ce site, tiens, peut-être il marche encore. Faudrait voir. Le problème d'aujourd'hui, Lara est trop la fille commune, elle ne sort plus du lot. C'est pas faux. C'est pas faux, Lara c'est devenu, oui, c'est un peu ça. Dernière gravure d'Obsula, cinquième et dernière gravure contenant les cartes dissimulées de l'emplacement de la galerie. Voilà. Bon, ceci étant fait, maintenant nous allons pouvoir en arrière retourner. On remonte les escaliers. Les escaliers, nous devons remonter. Et la fin, nous allons nous, de ce, et la fin de ce jeu, nous allons nous approcher. Et de la fin de ce jeu, nous allons nous approcher. Voilà, il faut sortir. Allez Lara. Jump. Lara. Ah. Le monsieur, il s'est enfui. C'est pas bien. Sort plus l'eau. Oui, aussi. C'est vrai qu'elle sort plus l'eau. Je tente le site, remets-le s'il te plaît. Ah oui, attends. Je remets. Shadowhistories.pr. Shadowhistories.pr. Je le laisse, voilà, je laisse un petit peu, en même temps on a le temps de discuter un petit peu de la situation géopolitique actuelle, de Lara Croft et du fait que plus ça va, et ben moins ça va, et puis voilà. Pour le prochain film du 6, il faudra prendre Nabila. Oh, non, 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 hors de question, ça va pas, non. Non, 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 non. Il n'y aura pas de film sur le 6 et c'est tout, hein, d'accord, voilà. Je préfère qu'il n'y ait pas de film plutôt qu'on prenne Nabila pour faire un film sur Lara Croft, hein. Pire, c'est qu'il serait capable de faire ça. Non, en fait, honnêtement, je pense que s'il doit faire un film Tomb Raider, maintenant, ce qu'il ferait, ce serait, il prendrait Camilla Luddington qui joue, justement, Lara Croft en mode actrice, en mode... je sais plus déjà comment ça s'appelle. Motion capture. Je vais sauvegarder, je sais plus si je l'ai fait. En mode motion capture, peut-être ça peut passer. Parce qu'elle est, elle est assez bonne comme actrice... Donc c'est pas bonne dans le terme, voilà, mais je veux dire, elle est, c'est une bonne actrice, quoi. Hop. Ouvre, hop. Bouchard, je pouffe, et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Voyons s'il n'a pas la clé de cet endroit. Ah bah d'accord, voilà. Elle gueule, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Après, oh, oh voyons s'il n'a pas la clé de cet endroit, genre. N'importe quoi. Voilà, donc Bouchard est mort. Bouchard nous a quittés. Bouchard est décédé en tant que gros connard et pervers qu'il était. Bouchard, tu nous manqueras pas. Car nous savons que tu étais un gros connard. Voilà. Donc j'espère que cette cérémonie de la mort de Bouchard vous aura plu. Il est mort comme une merde. Mais après tout, c'était une grosse merde. Bon, allez. Là, logiquement, on atteint la fin du niveau. Je suis désolé de vous dire ça, les enfants.
Il y a Rolf. Rolf, il s'appelait, je sais plus. Qui nous accueille et qui va nous dire son indice. Vous avez mon code du Strahoff? Oh non. Non, Lara, non. Non. Non, non, non. Oui, tu es magnifique. Oui. Vous avez mon code du Strahoff? Je répète, oui, je suis un professionnel. On n'était pas sous le bon plan. Mais je veux une exclusivité sur Paris et tout ce qui se passera ici. D'accord. Ce code vous fera entrer dans la zone d'entrepôt. C'est un pass de sécurité minimale, mais au moins vous serez dedans. Bon, c'est à moi de jouer. Vous avez testé ce code vous-même? Moi? Oh non, cet endroit me fout la trouille. Tu m'étonnes. Des employés disparus, entre autres choses inexplicables. Qu'est-ce qu'on y fait? Qui sait? Je paierai cher pour savoir. Mais c'est trop gothique. Si vous trouvez quelque chose, ne m'oubliez pas, hein? Pas de risque. Ah, j'ai cela aussi. Ça pourrait vous servir. Ce Strahoff m'a l'air assez hostile. Un pistolet maniable, avec chargeur à air comprimé. On ne devrait jamais envahir sans lui. Combien? 800 euros. C'est ridicule. Personne ne porte autant d'argent sur lui. La loi du marché, je le crains. Je devrais vous le piquer sans su. Étouffez-vous avec. On parlera dans la voiture. On approche du Strahoff. On approche du Strahoff, mais tu bouges pas. Logiquement, on va changer de niveau, on va s'arrêter à la forteresse du Strahoff. Hop.